monde! Aujourd'hui, je vous présente 3 idées d'outfits pour le temps des fêtes et c'est en collaboration avec Aisu de la chaîne Beauté 101. Donc, si vous la connaissez pas, allez la voir parce qu'elle est super bonne, je l'adore. Et c'est ça, on vous présente 3 idées d'outfits chacune, puis on a quand même un style différent, donc je pense que ça va être intéressant pour vous. Mais avant de commencer tout ça, j'ai 3 petites choses à vous dire. Premièrement, je suis vraiment désolée pour ma voix. Genre, si vous avez pas remarqué, ben, j'ai un gros rhume en ce moment. Deuxièmement, j'ai changé mes cheveux. Dans le fond, j'ai des extensions et ça faisait super longtemps que je pensais pour vrai parce que j'ai toujours été très complexée par mes cheveux parce qu'ils sont super fins mais comme à un tel point qu'il y avait juste une coiffure qui me faisait bien. Donc c'est pour ça que vous avez jamais remarqué, je faisais tout le temps cette coiffure-là. Et ils poussent pas. J'ai eu les cheveux aux épaules comme toute ma vie puis là je voulais du changement puis je suis vraiment contente du résultat. En fait, je suis allée voir Cass Magnon qui est la même fille qu'Alex puis je pense pas vraiment faire de vidéo par rapport à ça justement parce que Alex a tout dit, mais si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça me fait plaisir de répondre. Et troisième chose, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo là, je le sais. Même moi, je suis déçue de moi-même parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne cet été, là, j'ai réussi à toujours faire une vidéo par semaine, mais là, je l'ai complètement échappée. En fait, la fin de session m'a tuée, je vous cacherai pas. Je suis encore là-dedans, mais là, il fallait absolument que je trouve un petit trou pour faire une vidéo. Mais c'est ça, je suis désolée. Mais je pense que vous allez me pardonner avec ce qui s'en vient pour janvier. Là. J'ai vraiment un beau projet. Puis je pense que vous allez aimer ça. Mais bon, assez de blabla, je vous laisse aller voir la vidéo. Mon premier outfit est composé de ces shorts là que je trouve beaucoup trop belles. Je sais pas si on voit bien la caméra mais ils sont comme noirs et or et je suis en amour pour vrai. Mais moi la mode là, des shorts avec les bonnes longs talons hauts en hiver, là, c'est vraiment moi, j'adore ça. Mais tu sais les culottes sont quand même flashy, disons-le, donc je garde le haut plutôt simple avec un petit chandail que j'ai acheté au H&M. Il est vraiment très simple avec un petit col roulé puis je trouve que ça fait super bien avec ça. Et pour les bijoux, je mets évidemment ma montre que j'ai tout le temps. Plus, j'aimerais ça me trouver un long collier or pour comme, rappeler les shorts, mais j'en ai pas pour l'instant, donc j'ai mis ça. C'est comme un petit collier simple que j'ai pris au American Eagle, ça fait comme un an. Mais c'est ça, je compte vraiment m'acheter un collier or long. Et pour ce qui est des souliers, je les ai pris au Spring il y a quelques années. Et meilleur investissement de ma vie, dès que je suis un peu chic, je mets ça. Puis ça fait avec tout, je les adore. Le prochain outfit, là, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Parce que je travaille au Forever 21, puis quand cette camisole-là est sortie, là, j'étais vraiment pas sûre, ok? Je la trouvais comme too much. Puis pour une raison qui m'échappe encore, je décide de l'essayer pareil. Puis gros coup de foudre entre elle et moi, là. Pour vrai, je l'aime juste trop. Donc je vous la montre. Tadadam! Pour vrai. Wow! Elle est trop hot! C'est sûr que, tu sais, elle est quand même très sexy, là, disons-le. Donc si vous avez comme une famille très conservatrice, je la conseillerais peut-être pas. Même que, moi mes parents sont vraiment pas sévères là-dessus, mais je pense que je la mettrais plus avec des amis, genre le 31. Mais, wow, je l'aime trop. Pour ce qui est du bas, je suis pas encore certaine de ce que je vais mettre, mais... Donc ce que vous avez vu, je suis en legging. Mais c'est pas très grave, je pense que l'outfit au complet c'est pas mal la camisole, donc c'est à suivre. Mon troisième outfit est beaucoup plus classique, c'est une petite robe noire que j'ai pris au Dynamite pour 40$ je pense. Si vous en cherchez une, allez voir là, elles sont tellement belles puis quand même abordables, considérant qu'une petite robe noire comme ça, vous allez porter ça dans n'importe quelle occasion, on peut comme jamais se tromper. Par exemple, si vous allez dans la famille de votre nouveau chum cette année, là, je comprends que vous vouliez pas nécessairement essayer les paillettes, mais ça, c'est juste tout en parfait avec un beau rouge à lèvres et des talons hauts, vous allez être superbe. Et voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre outfit préféré parce que je suis pas encore certaine de ce que je vais mettre à Noël. pour en voir 3 de plus, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo d'Aisu qui va être dans la barre d'infos. Puis nous on se revoit la semaine prochaine, j'espère. Je peux croiser les doigts. À bientôt. Ha ha ha.